Et on se retrouve pour cet épisode-ci sur Fallout New Vegas. Je viens de couper le record juste avant. Et je relance juste après. Donc on va rusher comme des gros tordus vers Nipton. Voilà, j'avais oublié le nom. Vers Nipton, tout simplement. J'espère que j'ai encore assez de balles parce que je suis en train de vider mes munitions sur absolument tout ce que je vois. Le problème c'est que j'en récupère pas beaucoup et j'en achète pas. Parce que ça coûte cher. Donc du coup, ce qu'on va faire, F5, ça c'est fait. Et on va se diriger vers, vers Nipton. En faisant très attention par ici. Parce qu'il y a une gentille meute de loups. Je sais plus si c'est des loups. Je me suis dit loups. Ou de coyotes. Qui se promènent par ici. Du coup, si je les attire, il faut que je puisse me barrer, mais très vite. Nipton est là au bout, en fait. Je me dirige au mauvais endroit. C'est pas grave, il y a la carcasse de l'avion ici. Donc ça fera toujours un endroit découvert en plus. On va essayer de passer le level aussi. Voilà. Arrêter, réinitialiser, démarrer. Voilà, ça je remets mon chrono que j'avais oublié de mettre. Hop. Pareil avec tous les modes, etc. Il y aura mode HD pour avoir les tempêtes de sable comme on voit ici, etc. Endroit important. Cartouche 5 mm. Regardez bien quand vous êtes dans ce genre d'endroit partout. Il peut y avoir un coffre à moitié bugué ou bloqué. Parce qu'en mode hardcore, les coffres ne sont pas spécialement au même endroit que dans les autres modes. Du coup, des fois, vous pouvez avoir des surprises. Voilà. Ça, c'est pas bon, ça, par contre. On va péter son dard. On va essayer du moins. Oh là là. Recule. Très bien. Bon, du coup, les rats de scorpion. Comment je pourrais appeler cette bestiole? La saloperie du désert. Enfin, les saloperies du des terres désolées plutôt. Ok. On se casse. Vous m'avez pas vu les petits. Vous m'avez pas vu les scorpions. Vous m'avez pas vu. Tu ne m'as pas vu. C'est des poudriers là si je me rappelle bien. Du coup vu que je suis habillé en mercenaire. En RNC, ça va picoter. Je vais tirer dessus. Ou c'est encore accompagné de talent. Ah là là. Ok, jacal. Ça c'est fait, t'as plus ton arme, t'es obligé de venir au cac maintenant. Wow. Yeah. Grenade. Ok, ça c'est fait. Au moins ça a le mérite d'être rapide. Du coup, je vais passer quand même sur le côté, même si j'aime pas trop ça. Permettra d'esquiver une partie de ces connards. Oui, comme j'ai dit, ce truc est Peggy 18.
Du coup, je vais pas me retenir de dire quoi que ce soit. Si j'ai envie de traiter un PNJ d'enculé, je le fais et puis c'est tout. Tu vas tellement morfler toi. Allez, les rats scorpions, c'est une saloperie. Allez! Cartouche 10 mm, ça c'est bon. Les capsules, le ferraille, on s'en fout. Pistolet 10 mm en bon état. Ça c'est cool ça. On se casse. Bon, j'avoue que le mode qui me permet de courir me donne un certain avantage par rapport à ceux qui ne peuvent pas. Mais bon, voilà comment on court, comment on marche normalement, voilà comment on court. C'est pas encore spécialement super cheaté non plus. Toujours la vie du rat scorpion qui s'affiche. Je trouve ça plutôt bizarre. Alors Nipton, bah voilà, on y est. On y est en faisant attention à la board de pouilleux de l'autre côté. Du coup, le problème c'est que Nipton est une ville qui est dirigée par la Légion. La Légion, quand ils voient des gens de la RNC, c'est un petit peu comme si vous agitiez une côte de port devant salut ouais devant un pitbull, qui sait qui a gagné la loterie, c'est moi la loterie. Sentez-moi cet air. Ah, dommage qu'on ne puisse pas le boire comme t'as un bon verre de nul. C'est bizarre. Ça va? Vous êtes débile ou quoi? Je ne me suis jamais senti mieux. Jamais. Il parle de la loterie. Un poudrier? Quoi? Mais c'est fini. Les poudriers, c'est des petits joueurs. Moi, je... Quelle loterie? Mais oui, la loterie qui parle, la seule, en fait. L'unique. Bon, tais-toi. Combien de neurones vous avez? Il n'y a qu'une seule loterie qui compte. Ok, oh. Donc la loterie qui parle, en fait, c'est tout simplement... Non, j'ai pas le tuer. La loterie qui parle, en fait, c'est de ne pas finir comme ça. Voilà, c'est de ne pas finir assis. Tout simplement. Et il y a des seuls... Ah, des seuls, je pense. Pouvoir être sorti... Enfin, avoir pu sortir de la ville sans se faire démonter les fesses. Ok. Du coup, on va aller vers là. Je sais qu'il y a un type à l'intérieur. Voilà. Bonjour, monsieur. J'ai oublié ton nom. Boxcar. Putain, c'est une blague? Oui, je sais. D'abord, je me fais niquer les pattes. Ensuite, c'est le bourreau des poudriers qui se pointe. Mais qu'est-ce que vous avez contre nous, mec? Bordel. S'il faut que je crève, suffit de me donner 15 medics. Que je fasse une overdose, d'accord? Merde. ça va? J'en sais rien. Parce que j'adore ce bled. Qu'est-ce que vous croyez, Trouduc? Ouais, le tu deuxième pas comme me ça, laissait ça, la vie sourde, merde. Mais ils m'ont massacré les jambes au marteau. Je suis infirme, d'accord? J'ai pas de médic. Mon cul, oui. Vous voulez pas en lâcher une seule dose, c'est tout? Pourquoi je t'en donnerai, de toute façon? La chance. Vous admirez le deuxième prix de la loterie de Nipton. Cet enfoiré de Swanny qui a eu le gros lot. C'est... Okay, tout donc était arrangé avec ce fumier de mer. On devait les rançonner et garder leurs... On a pris position, et la minute d'après, on était cernés par ces tordus de la Légion. Ils nous ont traînés au centre de la ville avec tous les autres. Et ce connard avec un kleps sur la tête a commencé à nous dire nos quatre vérités. Il a dit qu'il fallait nous punir pour ce qu'on avait fait. Pas tous, mais certains. Et il a donné à chacun un putain de ticket de loterie. Et je vous laisse les dialogues pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Quand c'est des trucs importants, après si c'est le vendeur de base qui me dit qu'il a perdu son chien, enfin son chat au bout, au fond d'une décharge publique, qu'il est le chercher quoi. À votre avis, il a commencé à tirer les numéros et à punir les gens. Les premiers, ça a été les perdants chanceux. Ils ont été décapités. Chanceux, parce que ça va vite. Ensuite, il y a eu les crucifixions.
Ça a duré. Duré. Les troisièmes prix ont été réduits en esclavage. Moi, on m'a brisé les guiboles. Et le gagnant est parti les mains dans les poches. C'est bête. Ouais, un groupe de la Légion les a emmenés tout de suite. Ils sont partis à l'est. Et pas la peine de croire que vous me rendez service, ni rien. Voilà, nouvelle quête. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Du bouteille de lait. Bouteille vide de ça pareil. La farine, la steak. Nickel, des boîtes de conserve. Boîtes de conserve défoncées. Toujours bien regarder toutes ces petites étagères. Des fois, il y a toujours des trucs assez sympas dedans. On va aller à l'étage. Normalement, la porte est bloquée. Voilà. Pom pom pom. Alors. Moi, il y a un coffre ici au-dessus, normalement. Je dis bien normalement. Il y a pas mal de choses aléatoires. On est hardcore. Pas beaucoup, désolé. Bah voilà, du médic, si t'en fallait pas, toi, en bas. Tu m'as parlé comme un con, t'en auras pas. Alors, durée, 75. Ah, du coup, ce qu'on va faire, bah, on va dormir un petit peu. Mais 5h du matin, on va se réveiller à 10h. Je pense que c'est une bonne heure. Je dirais il est 5h du matin aussi. Mais en vrai. Pendant que je tourne. Voilà, bon, on va aller voir ce qui se passe. Enfin, je vais plutôt vous montrer ce qui se passe. Petit passage que vous devrez reconnaître. C'est un passage qu'il y avait dans le teaser, tout simplement. Oui, je sais, tu vas venir me parler, ville, je sais plus quoi. Salut. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire crucifier comme le reste de ces dégénérés. Vous avez bien fait de passer. Ah bon. Je tiens à ce que vous soyez témoin du sort de Nipton, que vous en mémorisiez chaque détail. Mmh. Et ensuite, à votre départ, je veux que vous enseigniez à tous la leçon qu'a donnée ici la Légion de César, en particulier aux soldats de la RNC que vous rencontrerez. Mmh. Un cœur froid comme la glace. Mmh. Alors je vous dis, valet. Mmh. Ouais, valet, tout ça... Ouais, se promener un petit peu. Hein. On est qu'à 12 minutes, on a le temps. Ouais, oh, doucement ma touche. Hé hey. Pourquoi il m'attaque? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait moi, lâche-moi. Fous-moi la paix. Salaud. Ouh, ça c'est vicieux. Ouais, sors de là. Le système de son pourri dans ce jeu par rapport à Skyrim. Technique rapide. Pour désamorcer une mine, accroupi, tic-tic, deux fois, vous appuyez sur... Tout simplement, c'est pas... pas plus compliqué que ça. 3 de radiation seulement ici. Bah
c'est les chiens des autres. Ouais, c'est les deux chiens là. Alors, du turbo, on va en prendre. Bouteille vide, on s'en fout. Armor à arme, ça c'est bien. Voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler le gros lot au début du jeu. C'est pas plus compliqué que ça. C'est purement et simplement le gros lot. J'ai eu pas mal de chance. Fuck. J'ai eu pas mal de chance au niveau des trucs. Un truc aléatoire. Ça pique. T'as plus de vie en plus, sérieux quoi. Fais chier. Là par contre sur ce coup là, j'ai pas eu de bol. Dynamite. Oups. Voilà. Pilou 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 pilou. On va sortir, on va pas risquer. C'était que des chiens de toute façon, enfin des molosses de la Légion. Pas vraiment des choses qui doivent rester tout près. On va faire un voyage rapide parce que voilà. Faut que je check par contre mon niveau de radiation et faut que j'achète du radioway. Ou alors que j'ai tué les ghouls qui m'ont défoncé à l'épisode juste avant. Ça par contre c'est plus probable que je fasse ça en fait. On va aller parler aux gens qui sont dans le bar de l'autre côté, on va aller boire une petite bière. Vous avez déjà jeté un œil à l'hôtel de ville de Nipton? La fumée est toujours aussi importante. Ouais, manque de bol. La Légion aussi loin à l'ouest? Non, je me fous pas de ta gueule. Vous foutez de moi? Oh merde, ils ont franchi la frontière. Ils avancent et vite. Nipton n'était pas la ville la plus agréable, mais... Très bien, merci pour l'info. J'espérais que ça allait me rassurer, mais je suis encore plus à cran... À Nipton? Ça non. Cette ville est un trou à rat qui mérite d'être incendié. Mais pas... Eh bien, merci d'avoir fait le déplacement, même si les nouvelles étaient mauvaises. J'aimerais qu'on puisse envoyer des gens les traquer, mais... Mais... Ce putain de morave part en couille, et tout ce que je peux faire, c'est rester ici à regarder. Eh ouais. XP, level up. Nouveau perk. Réparation. 26, discrétion un petit peu, arme à feu, on va continuer à augmenter tout ça parce qu'il n'y a pas de raison. Projetage. 42 survie, c'est bon. Le truc, on va mettre un petit peu. Voilà, comme ça, on est tranquille. Continuez, à perk, ami de la nuit. Non, on s'en fout, charge, on l'a déjà vu. Ça, il faudrait que je le prenne, mais... J'hésite. Voilà, 10% d'XP en plus. Donc encore plus vite. Donc voilà, ça fait 20%. Donc ça me fait level up encore plus vite. Mais... J'ai envie de dire que vu qu'on va torcher le jeu, ça sert à rien. Ah, ça est largement suffisant. Ça servait même à rien en fait. Mais... Au final, on s'en fout. Éducation. Avec l'aptitude... 3 points de compétences supplémentaires à chaque fois que vous passez à un niveau supérieur. Mieux vaut choisir cette aptitude. Compréhension. L'aptitude compréhension rapporte un point de compétence supplémentaire à chaque lecture d'un livre de compétences et double bonus lié à la... Ça c'est bien par contre ça. On peut dévorer des cadavres. Mais ça fait descendre notre karma. Et s'il y a quelqu'un tout près, bah il décidera de nous tuer. J'ai
quand même envie de me mettre un poids spécial en plus dans la perception, histoire de vraiment être un gros bourré, mais... Ah, apprenti éducation. On fera notre gros bourré juste après. Des panneaux solaires, on va aller... Tiragugus, qui est là au bout. Que la route est dégagée. On se laissera pas faire. Hop, hop, hop. T'es toujours là, t'es pas encore dans ton bureau. J'apprécie votre aide. J'aimerais avoir d'autres travaux à vous confier, mais je n'ai rien. Vous avez parlé d'une récompense. Non, j'ai dit que vous pourriez accidentellement trouver des marchandises. L'avant-poste. Mais il arrive que des formulaires de réquisition se perdent. Et comme personne ne vient jamais vérifier. On peut en être sûr. Cool. Un fusil. C'est l'arme que j'ai acheté. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien aussi. Sans capsule. Je suis en surcharge. Ce qu'on m'a donné, le mien. Et ouais. Oui. 121 balles. Plein de bouffe. Tu m'as pas donné le Steam Pack ? Radin. Armoire à outils. Ferraille, armoire à outils. Des armoires à... On ne se laissera pas faire, la Légion peut en être sûre. Oui, 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 oui. Salut. L'avantage ici, c'est que si un jour j'ai besoin de bouffe, je sais où venir pour en piquer. Et hors de question que j'achète ma bouffe. La seule bouffe que j'achèterais peut-être, c'est la bouffe qui se trouve... Salut. J'ai envie de dire au QG de... Merde. Au QG de... J'ai oublié le nom aussi. Payton. Tes trous de mémoire. Votre aide. Ok, donc c'est pas le camp McCarran. Ok. Ouais, je sais plus ce qui est. Vous avez fait des tas de bonnes choses ici. Vous avez mon. J'ai besoin de réparation. Bien. Bonjour, ça coûte 331 capsules pour réparer ton truc, mais il est. Réparer au maximum. On verra après. Oups, 1300 capsules. 70. Tu gagnes A de SD. 1100 capsules. Ok, pas grave. Encore plus. Non, pas encore plus, tant pis. Allez hop. On va aller là, on va essayer de trouver les marchands de la caravane. Il y en a plus loin, donc normalement ça devrait passer. Sinon, je suppose que ceux qui regardent ce let's play sont, j'ai envie de dire, les plus fidèles d'entre vous. Même si les autres sont, le sont aussi, mais bon, on va dire que moi ici vraiment le let's play qui me tient à cœur le plus. Qu'est-ce que je peux vous donner comme info par rapport aux autres? Oui, let's play qui va arriver sur Minecraft, le vanilla à .7, dès qu'ils ont déni sortir un Optifine à potable pour la .7 et pas non pas des patchs foireux. Il y a encore le type sa caravane qui se sont barrés. Donc oui, comme je disais, donc let's play Fallout... Nawak. Let's play sur Minecraft Vanilla, alors 1.7, qui, je pense, va être assez sympa. Je vais essayer de faire des trucs un peu... Bah, pas comme tout le monde, en fait, tout simplement. Il y aura les... Salut. Il y aura le truc habituel, ferme à ceci, ferme à cela. Mais il y aura... Un peu plus de background derrière, pas juste je construis une machine et je construis un bâtiment
pour faire joli en vrai. Je vais essayer de... Excusez-moi. Ça n'était pas prévu. Je vais essayer de faire léger background en fait derrière mes constructions, etc. Par exemple, faire ce que je vais faire par exemple dans mon let's play sur Feed the Beast. Sensei, ça se pareil. C'est-à-dire sur FTP en fait. Enfin, sur FTB. Bon, FTP, FDB, c'est pareil. Tout simplement, ce que je vais faire. Et rentre. Ce que je vais faire en fait, c'est deux réservoirs d'eau dans le Nether en bloc de d'iron, pour faire comme des vrais réservoirs en gros, qui me fourniront toute je vais pas dire toute ma bouffe, mais toute ma bouffe, moi toute mon eau, mais pas loin. Il n'y a pas un type avec sa caravane ici. Ici par contre c'est le jackpot là-dedans. Bon, moi j'ai pas de chance. Bien regarder sur le haut des couchettes. Encore Macaran. Si je me trompe pas de nom encore, parce que le problème c'est que ils ont tous des noms en Aran ou des trucs comme ça. Il y a sur le haut d'Ali, il y a un sniper. En piteux état, mais c'est un sniper quand même, donc ça se pique facilement, faut juste faire attention à ce que vous faites. Ça se pique assez facilement. Salut. Carvanier, on s'en fout. Toi, tu es soldat de la RNC. On va aller parler à Cass. Cass est un personnage assez important. Parce que c'est juste le swag, ce truc. Salut. Ce casque respire le swag. Je déteste ce mot swag, c'est le mot le plus pourri au monde qui existe. Enfin, qui existe au monde, mais ça me fait marrer. Alors là, c'est... Une nouvelle tête à l'avant-poste. Là, c'est, là, si. Vous devez venir du nord. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, je vais du sud. Alors, il y a du travail ici, des choses à me dire. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Jetez un œil. Ok, on va jeter un œil. Ouh, t'as 900 caps. T'as même des munitions et des armes. T'es sûr que tu vogues de la bouffe normalement? C'est bon, je veux pas dire, mais... Pistolet laser, du gun... tout ça en fait, ça. Ce sont des... Comment expliquer? Ce sont les abréviations des DLC en fait. Les trucs des DLC, Guns Runner Arena, en fait, tout ça quoi. Pistolet plasma, 20 de dégâts, 39 de DS, cellule énergétique, ça coûte 200. Non. Alors, la dynamite, on jette. Voilà, fragmentation, boum. Allez hop. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent aussi savoir comment vous pouvez faire pour gagner encore plus de thunes en vendant vos objets. Regardez, fragmine. 39, c'est à combien je peux le vendre? C'est la valeur de l'objet en fait. Qu'est-ce que je raconte? C'est à combien vous pouvez le vendre, alors que ici en dessous, je peux pas le regarder, mais en bas il est marqué, dégâts, poids et valeur, c'est à combien vous pouvez le vendre au maximum, quand vous avez le truc au maximum du prix. Bon, vous pouvez encore augmenter un peu le prix par rapport à certaines perks ou des bazars comme ça, mais bon, c'est pas des trucs super importants non plus. Fusil à coup, c'est quoi comme balle? Du poivre. Ça, tu pars. Ça, tu pars. J'ai plus de 9 mm. Ça, on va le fusionner. Tenue de vétéran mercenaire, on s'en fout. J'ai parti où ma tenue de RNC? What? Enfin, c'est pas grave. Anti-venin, carotte fraîche, cocktail atomique, de l'eau purifiée. C'est ça, en fait, qui pèse 300 tonnes sur moi.
Stealth Boys. Je réfléchis, vous inquiétez pas, je suis pas FK. Peut-être mon cerveau qui est un peu, mais... Ça, ça pèse. Alors, divers. Ça, ça pèse réel. Cigarette, ça pèse réel. La colle miracle. Conducteur ferraille. What? 10. Un venin de rat scorpion, un marteau, le paquet de cigarettes, il les vend. Pierre aiguisée, pistolet à pâture. Pièce électronique, ça je vais garder. Le presse-papillon, on s'en fout, ça je peux en piquer pas mal. Réservoir, serec, la terribantine. Fague à cheveu. Ok, donc ça c'est bon. Munitions. Alors. Oui, ma tenue de la RNC. Ça me fait un peu flipper tout ça. J'espère que je n'ai pas perdu, j'ai pas envie d'aller tuer un type de la RNC et... juste pour ça. Alors, Steam Pack, 111 toujours. Racine de Xord, cocktail atomique. Voilà ce que je peux vendre. Il est où? Aide, cocktail atomique, j'en ai deux. Oui. Alors, qu'est-ce que j'avais dit comme... comme munition, arme, fusil, ça c'est bon, pistolet à coup, c'est du poivre vert. Quel poivre vert, balle. Un mot de chevrotine. Du poivre vert, du 10 mm. Du poivre vert et du 10 mm. On va pouvoir acheter ça de toute façon. Oh, il n'y a pas de 10 mm, t'es sérieux? Voilà. C'est dommage. Voilà. Il y a du travail par ici. Des choses à me dire au sujet d'avant-poste. Pas grand chose. Beaucoup de caravanes qui vont nulle part. Et des tas de soldats qui vont nulle part aussi. Deux, trois prospecteurs qui traînent et ne font guère plus qu'en puant en tire le coin. Tout le monde en est coincé ici. On pourrait croire que c'est bon pour le commerce, mais les gens comptent leurs capsules, même ceux des grandes sociétés. Mmh. Du travail ici? Essayez du côté de Jackson, dans le bâtiment principal. N'allez pas lui répéter ça, hein. J'ai pas envie de me prendre une balle en allant aux chiottes la nuit. Ok, on va essayer de pas répéter ça. Allez. Chouette. Les gens sont en train de se dire, mais qui s'il a vu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit? Non, c'est pas pour les cartouches de cigarettes, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça. J'en ai rien à foutre. Je me barrerai avec sans que vous me voyez. Salut. Fuck. Ah non! Non! Salut! Non. Ah! Putain, j'allais dire... Et ça, je ne les vendrai jamais, ces bouteilles. Ça,
Ça, vous pouvez en être sûr. C'est un peu comme le Quantum en fait. Voilà. Oh mon dieu, mon karma a diminué. Il n'y a que la quartz. Vision nocturne. Seuil de dégâts plus 2. PV plus 4 pendant 20 secondes. Ça fait 80 PV quand vous buvez ça. Moins 21 en sommeil. Plus 14 en hydratation, on va dire. Et 8 de radiation seulement. Imaginez 8 de radiation. C'est juste pété. Du coup, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse l'autre là? Quête. Wait. Enquêter sur la projection de minuit au drive-in du Morave. Rejoindre les débris du canyon près de Prime et pénétrer dans la ligne de partage. Non. Expédition Happy Trail. Trouver le maître de caravane à la Happy Trail. Inauguration de la Sierra Madre. Ça c'est les trucs. Voilà donc. Le problème c'est qu'il faudrait que je trouve un mode pour le... pour mettre quand ça appartient à DLC en fait. Et pas la nouvelle des atrocités la Légion. Démarrage, sauver les captifs. On a quelque chose à... Ouais. Oh. Salut. Eh, salut. T'as eu du fric en plus? 200. Mais t'es pauvre, dis donc. Armes, vêtements, non, je m'en fous aussi. T'as du 10 mm. Il en a pas non plus. Tu sers à rien. Alors. Un cœur froid comme la glace. Après, il n'y a pas de marqueur. Alors, carte locale, carte du monde. What? Démarrage, sauver les captifs. T'as quête de quoi? Qui m'a donné cette quête? Trouver le policier de Prime pour obtenir, on s'en fout, réunion. Débris du canyon. J'hésite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est à 36 minutes de vidéo. Je vais te faire un truc assez rapide avant la fin. Retrouver la source de l'habitation à la Sierra Madre. Ah, vous savez quoi? On va aller se diriger vers le... Non. On va essayer de trouver l'autre là qui se promène près d'ici. Bonjour. C'est pas toi. Il est où le barbu? Le barbu, t'es où? Ah, est-ce qu'on va faire le reste de l'épisode? On cherche après le barbu. Dans le Morave. Ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Non, bah déclenche-le et moi je rigole. J'ai appris que vous aviez aidé Jackson. Merci. Les caravanes attendent toujours l'autorisation de passer, mais ça commence à bouger. Cool. Quoi? C'est pas possible. On est loin du Colorado. Ils n'attendent même pas que le barrage soit tombé. Ils ont déjà franchi la frontière. Ouais. On ne pourra jamais les arrêter. Oh, on est foutus. Oh, merci de nous avoir prévenus. C'est... Eh ouais. On a perdu son chemin. On ne se laissera pas faire. La Légion peut en être sûre. Une petite quête terminée. Je sais ce qu'on va faire. Laisse-moi réfléchir à un truc. Il est où? Il est là.
Salut, besoin de... Oui, j'ai besoin de quelque chose. J'ai envie de voir qu'est-ce que tu peux vendre comme, comme munition, même si tu ne sers strictement à rien. SD la 6 moi 6. Calibre 12. J'ai une arme qui utilise du calibre 12. Non. Poids 22. La poète creuse. Non, c'est quoi du poids 20, du 9. 367. 57. Fuck. J'ai vu que tu vendais une arme, toi. Arme. Pistolet à plasma, cellule énergétique. Cellule E. C'est bien ça. J'ai 21 cellules énergétiques. Ah mais c'est pourri, il a plus son truc quoi. Alors, on va quand même essayer, on va quand même tenter vite fait avant la fin de cet épisode. Et si ça passe pas, tant pis. Dans vos têtes, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire comme connerie encore, sorti? Que vas-tu faire? Tu vas pas encore te suicider? Ça devrait aller. Ok, ça m'a même pas acheté les balles de repos vert. Du coup, ce que je ferai en fait, c'est... Arrête de courir. Ce que je ferai, c'est aller en off. En off, j'irai tout simplement racheter juste les balles. Le poids vert. Mais oui, je sais que je suis toujours habillé comme un soldat de la RNC. Quelle merde ce truc. Casse-toi, fouille. Il peut plus m'attaquer quand il a ses pinces qui sont cassées, du coup bah il fouille. Je vais essayer un truc. Ouais, toutes ces saloperies qui sont en train de faire le tour pour venir me choper. Voilà ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire découvrir la zone. Entrer là-dedans parce que... Strong, la levure. Ouh, ça c'est cool ça, des microcellules à fusion. Oh.
Il y a souvent des munitions qui traînent. On s'en fout, allez, tais-toi. Divers. Oh, je peux pas. Dommage. Hein. Gangbang. Je fais super gaffe ici. Rien. On se casse. Voilà, je vais partir comme ça. Je suis tranquille. Allez. Plus d'ennemis à proximité. Normalement, je peux TP. Voilà. Donc, du coup, on va se quitter là-dessus. Petit épisode assez calme. Ça dépendra les moments. De toute façon, ça, je peux pas faire autrement que de faire les quêtes. Il y a des quêtes qui sont toutes calmes. Il y a des quêtes, c'est juste à vue. Et sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me proposer un challenge ou n'importe quoi pendant que ce bug à fond là au bout. Enfin, challenge, en fait, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est tout. Oui, n'hésitez pas à parler de ce let's play autour de vous. N'hésitez pas à revenir par exemple voir ce let's play au bout de 5 jours, même si ce n'est que les 10 premières minutes. On va dire c'est con, ça fait des vues. Certes, mais on va dire que ça attirera peut-être plus de monde en fait, tout simplement. S'ils voient qu'il y a plus de vues, on se dira c'est... Pourquoi est-ce que j'ai pas encore regardé ça ou des trucs comme ça. Tout simplement, ok. Tranquille. Il est bien stylé quand même le perso. Et sinon, bah, je pense que c'est tout. Donc comme d'habitude, bonne journée, bon appétit, bonne fin de soirée, bonne matinée, bon ce que vous faites en ce moment même ou juste après. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Allez, salut tout le monde.